Modernisation ne passera pas. Ce soir, nous écrivons l'histoire. Restons-en là. Tout doit changer. Si notre est réélu, je balance une bombe. J'espère que ce sera elle. Sans tous pas là. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir cette fois? C'est la révolution. On avait l'impression qu'elle sortait de nulle part. Tout va changer. De toutes les façons, il fera tout pour rester au pouvoir. Machine défectueuse. Bulletin truqué. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Martin Luther King, Nelson Mandela, Rosa Luxembourg, Stephen Biko, Salvador Allende, Aung San Suu Kyi, Obama, Jaurès, Louise Michel. Dans moins de 10 minutes, le visage de notre nouveau président ou de notre nouvelle présidente s'affichera sur nos écrans. La pression est énorme. Pas un bruit au siège des partis. Dans la capitale, l'ambiance est survoltée. On dirait que la ville entière est sortie dans la rue. Les partisans de Brice Eric Darkozai sont massés sur la place de l'Hôtel de Ville. Quel que soit le résultat de cette élection, elle est d'ores et déjà historique. Pour la première fois, une jeune femme arrive au second tour. La tension est à son comble. Les derniers sondages accordaient une légère avance à Darkozai, mais jamais l'issue de l'élection n'a paru plus incertaine. Si CS l'emporte, on peut s'attendre, dans les plus brefs délais, à une véritable révolution. Une nouvelle ère. Tonight, all eyes are turned to France, as in a few minutes, the name of the new president. In pochi minuti sarà eletto il nuovo presidente. Sesta ma zero ku kajfu kulu kompani. Nous sommes au siège du parti de Zoé Cers, qui, en début de soirée, s'est retiré en compagnie de sa famille et de ses plus proches conseillers. Je suis seule dans mon bureau et je m'interroge encore. Toute la journée, sans répit, je n'ai pas cessé de me poser des questions. Je me demande si je vais être élue. Et si je le suis, je me demande si toutes les personnes qui auront voté pour moi ne le regretteront pas. Est-ce qu'elles écouteront mes conseils ? Est-ce que je saurai répondre à leurs attentes ? Quelles seront mes priorités ? Il faut que je me calme, que je ferme les yeux un moment. Mesdames et messieurs, dans moins d'une minute, vous saurez qui de Brice Eric Darkozai ou de Zoé Cers sera le nouveau président. J'arrive. 3, 6, 5, 4.
de lui avoir donné sa chance. Nous le savons, la route sera longue et difficile, mais ce monde que nous n'osions imaginer que dans nos rêves les plus fous deviendra réalité. Unis, nous pouvons bâtir une nouvelle société. Une société sans cases, où chacun sera libre de vivre et aura les moyens d'accéder à lui-même et d'inventer son propre chemin. Où la réussite des uns ne signera plus l'échec de tous les autres, car la réussite ne sera plus matérielle. Ainsi, nous allons commencer par totalement remodeler l'organisation de l'entreprise type et, par la même occasion, de l'industrie et du développement actuel. Autogestion des entreprises. Fin du contrôle des individus, de la transformation des êtres en suite de chiffres et en banque de données. Fin de la mainmise des multinationales sur la vie et démantèlement de ces machines monstrueuses. Révolution dans l'éducation pour que chaque enfant se développe et trouve sa propre voie. Gratuité des transports en commun. Suppression des voitures sales. De l'agriculture et de l'élevage industriel. De Monsanto. Suppression de tous les brevets sur le vivant. Fin de tous les esclavages. Divorce définitif de la culture et du marketing. Autorisation du mariage pour les homosexuels. Fermeture des usines d'armement. Stage de réinsertion en horticulture pour Dassault. Affectation du budget militaire à l'environnement et à la recherche. Création d'un chèque guitare électrique. Généralisation des équipements pour handicapés dans tous les lieux. Philosophie dès la primaire. Transformation des écoles de commerce en écoles de clowns.